Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est reparti pour notre petite séance. Alors j'ai fait beaucoup de petits changements. Par exemple, j'ai donc préparé ma cuisinière électrique avec 4 plats raffinés qui seront faits avec de la viande et des pommes de terre ou du riz. Quand il n'y aura plus de viande, eh bien on passera sur le second, qui lui ne prendra plus de viande, mais prendra des œufs et du lait. Certainement pas de gelée, bien entendu, puisque ça donne du plaisir. Ensuite, j'ai fait la même chose pour les plats simples. J'ai demandé de mettre tout ce qui est d'abord les viandes humaines et la viande OGM. Et ensuite, j'ai demandé 4 plats simples qui soient uniquement à ce moment-là en patates ou en riz. Donc les personnes, bien entendu, ça sera à l'eau puisqu'il n'a pas encore atteint le bon niveau pour faire du raffiné. Hein, il est toujours à 0,5 d'intoxication. Alors j'ai modifié aussi d'autres choses. J'ai modifié ceci. Nous avons maintenant fabriquer un manteau, j'ai donc demandé que ce soit toujours notre ami Maker, et je lui ai demandé qu'il vérifie que ça soit bien soit en dromadaire, soit en tissu. Pour le moment, je vais garder la diable étoffe et l'hyperfibre. J'ai demandé d'en avoir un seul, je n'ai pas compté les équipés, et je veux qu'il soit au minimum avec 50 pointures. On va d'ailleurs mettre un tout petit peu plus. On va mettre, voilà, il m'en faut au moins un à 54, et je veux qu'il soit au minimum normal. Ensuite, j'ai des guenilles sauvages. Les guenilles sauvages, je vais en avoir maximum une, de nouveau, on ne compte pas les équiper. De nouveau, c'est un minimum de 50, voilà, 54 c'est bien, à partir de normal, tout en cuir de dromadaire, ou de nouveau en tissu. Et les chapeaux de cowboy, j'en veux 7. Par contre, là, je compte les équiper. Parce que de temps en temps, je vais avoir tout le monde peut-être en casque ou un truc comme ça. Donc, j'ai préféré faire ce système-là. Je compte les équiper. Je ne mets pas d'ingrédients autorisés parce que je veux soit en lézard ou en tissu. Je n'ai pas envie de gaspiller mes affaires ici pour faire un chapeau de cow-boy. Et donc voilà, ça c'est ce principe-ci. Alors j'avais fait une grosse bêtise là, j'avais pas vu qu'on pouvait déchiqueter un corps de mécanoïde. Et le corps de mécanoïde, cette fois-ci, je vais mettre d'équerre. Parce que je suis occupé avec notre ami, on va mettre ça à commerce, voilà. Pourquoi je mets d'équerre? Ben parce que d'équerre a pris sa petite maladie qui lui donne beaucoup de manipulations supplémentaires. Je l'ai d'ailleurs remis en opération chirurgicale. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé toutes mes tenues. J'ai créé une tenue diplomate qui est la guenille. Alors, on va regarder ça, diplomate, voilà, donc pas contaminé, minimum 50 avec un normal. Je veux un chapeau melon, ou bien en coiffure noble, couronne haute forme ou petite couronne, qui donne toute plus 20. Ensuite, je veux également une guenille sauvage et un manteau. Tout doit être avec un minimum de normal, le diplomate si j'en le chauve. J'écris ouvrier, c'est tous guenilles, manteau, gérer les tenues. Bon, ouvrier, c'est tous non contaminés, 50%, normal. Ils veulent tous avoir un chapeau de cow-boy, et en tout et pour tout, guenilles et manteau. Ensuite, j'ai créé une autre qui s'appelle soldat.
dans laquelle j'ai bien entendu mis la même chose, sauf que là je vais partir, je vais avoir du bon. Et ça c'est une erreur. Parce que si je n'en ai pas, je n'en ai pas. Et il ne me ferait rien à ce moment-là. Donc là j'ai mis tout ce qui est les armures, au niveau des coiffures. Hein. J'ai également mis le gilet pare-balles parce qu'il est au milieu, donc il peut être mis au-dessus d'une guenille, en dessous d'un manteau. Hein, même chose pour les boucliers d'énergie. Bon, tout ça, j'ai pas encore, mais quand j'aurai, ben, ça, on pourra les prendre. Il y a le casque simple, le casque renforcé. Ensuite, de nouveau la même chose, je ne mets pas la veste renforcée, il fait trop chaud pour le moment. À la limite, je pourrais la mettre quand j'en ai d'abord. Mais je ne pense pas que je vais en faire. Et si j'en avais, ben je pourrais le forcer à ce moment-là. Ceinture à fumigène, guenille de sauvage et manteau. Voilà, vous avez vu tout le tour ici. Ensuite, j'ai demandé ici de faire. Bon, voilà, ça va être démoli pour faire une porte en métal. Ici, il me faut un bout une ardoise. Ici, un petit coup de chaleur. C'est pour qui? C'est pour le chaud. Oui, je l'ai envoyé faire un petit peu de ceci parce qu'il avait besoin, comme vous voyez, il avait besoin de travailler en extérieur. Et donc, on va lui effacer ça tout de suite dès qu'il a terminé. Voilà, c'est bon. Au moins qu'il fasse quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire? Je lui ai demandé ici. D'ajouter une tâche et je vais lui installer le lecteur psychique. Donc il va être out pendant quelques temps. J'ai également créé en Numbers, j'ai fait des presets. J'ai créé des presets. Load save de view. J'ai créé surtout une preset ici qui s'appelle réussite travail, qui va me donner en construction la chance de réussir la construction. En sociabilité, alors tout le reste, toutes les autres chansons proviennent, sont les mêmes. Hein. Sont les mêmes. Vous voyez que Decker a bien augmenté puisqu'il a plus de manipulation. Amélioration ici des prix, le talent en tant que négociateur, l'efficacité quand on arrête les gens, la réussite ici, comme vous pouvez le voir, c'est Decker. Et donc j'ai demandé à Decker de me faire la... Ici, dès que tu as fini, mon ami, tu viens lobotomiser notre ami le chauve. Bon, enfin, vous avez vu, Numbers, donc je le termine. Nous avons la chance de ça. L'efficacité pour la découpe des animaux. Et vous voyez que maintenant, c'est Decker qui est passé devant Grizzly, parce que Grizzly a perdu un tout petit peu. Il n'a plus que 96%. Il a perdu un petit peu en 96, il a perdu un petit peu avec son bras, je crois. C'est son bras qui était un petit peu abîmé. Et donc, vous voyez que maintenant, voilà. Il n'a pas perdu grand-chose, il a perdu 2 points, quoi. 2 points sur 30. Mais, voilà. À cause de ça, je perds 4% de cuisine, donc de nombre de mythes, de viande que je vais récupérer et de cuir. Et ça, c'est important pour nous. Bon, ensuite, oui, avec le nouveau patch, quand on va maintenant buter nos animaux, on va non seulement avoir 50% de viande en plus, mais également 50% de cuir en plus. Très intéressant. Donc, on finit ici sur Numbers. Cuisine, risque d'intoxication. L'artisanat ici, c'est l'efficacité pour récupérer les mécanoïdes, hein, quand on déchiquette les mécanoïdes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis également notre ami Decker ici, c'est le seul. Non, lui et Maker peuvent le faire. Mais comme Maker, je lui ai demandé aussi de me faire des fringues. Et donc, je me suis dit, ben, j'ai autant mettre Decker ici pour le moment. Ensuite, nous avons les animaux, la probabilité de dressage. Comme vous voyez, c'est assez nul chez moi, 50%. Le rendement du minage. On voit de nouveau qu'il n'y a qu'une seule personne actuellement qui est capable de miner à 100%, donc d'avoir 40 de métal. Les autres vont perdre un petit peu. L'agriculture, on voit que nous en avons également deux seulement qui peuvent récolter. Les autres doivent encore apprendre, continuer à apprendre.
Et intellectuel, c'est la vitesse de recherche. Et on voit que pour le moment, c'est Maker qui a la meilleure vitesse de recherche, suivi de Libellule, etc. Puisque le show maintenant les vapes. Voilà, on a fait tout le tour. Alors, j'ai demandé on va creuser tout ça, bien entendu. Je suppose que notre l'autre, il est pas encore mort. Si, ça y est, de nouveau. Donc, notre petite Libellule nous fait des tables, des chaises. Oh, elle m'a fait une table excellente. Mais ça ne sert strictement à rien. Alors, on est dans une salle à manger très impressionnante, donc ce qui me convient aussi. Et ici, on est dans extrêmement impressionnant, c'est encore mieux. Mais il ne va pas manquer grand-chose, hein. On va faire quelques nouvelles statues. Galerie, elle va repartir de nouveau. Donc, comment t'es, Galerie? T'es feeling depressed, hein? Ben oui. Je sais pas ce que je vais faire avec toi, ma belle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ce truc? Je crois qu'on va la laisser mourir, il n'y aura plus que ça à faire. Je ne sais même pas si elle va arriver jusque-là maintenant. Hein. Maker n'est plus un russe, on s'en foutait. Ok. Donc petit à petit, ils vont tous repasser normalement au chapeau dès que les chapeaux sont faits. Hein. Oh, j'en ai un excellent, là, magnifique ça. Si j'ai bien changé, hein, j'ai bien mis ouvrier pour tout le monde, donc ça va. Alors malheureusement, Dan, qui est notre meilleur gars de mêlée, il a plus de bras. Hein. Donc il perd 50%. Et donc actuellement, il n'est plus aussi bon qu'avant. Hein? Bon, l'esquive est toujours bonne. Mais DPS au corps à corps, on est passé à 6,67. Vous voyez, on perd 6 ici. Mais bon, il est toujours pas là. La vague de chaleur est terminée. Ça, c'était pour l'autre côté. Ok. Ah, j'ai pas été regarder combien il faisait là-bas. À mon avis, il devait faire. On a dû passer les 84, je pense. Si elle a continué comme ça. Visez-moi ça. Ils sont tous morts de chaud. Insolation extrême. On a réussi à buter. La chaleur a réussi à buter les méga araignées. Imaginez ça. Alors que normalement, on ne le voit pas ici. Elle tienne bien. Elle tienne à plus de 50. Eh ben, dites donc. C'est incroyable, ça. Et le nid, est-ce qu'il est... Comment est-ce qu'il est, le nid? Bon, on va aller récupérer tout ça, alors. Hein. On va envoyer une petite... T'es mort depuis 2 jours, déjà. Tu pourris dans 13 heures. Je te fais un... On va quand même récupérer. 13 heures. Je te dis. Grizzly, je crois que je vais t'emmener tout seul en... Ouais, je pense qu'on va t'emmener tout seul. T'as une masse en métal bonne. Et l'autre aussi, je suppose qu'ils sont morts, hein, les autres. On va en profiter pour buter le... Ouais, j'aurais dû regarder plus vite. Ok, c'est bien. Donc là, on va modifier déjà notre zone. On va créer une nouvelle zone, gérer les zones, nouvelle zone. On va dire tout. Voilà. Parfait. Et on inverse. Comme ça, je peux aller dans tout. Ah ben, Grizzly, tu vas aller avec les chameaux. Je suppose que je vais...
de la bouffe ici pour toi. J'ai 4 plats. Ouais, c'est bon. Combien ça pèse ce truc ici? Ça, l'établi de boucher, ça pèse. Ça pèse. 20 kilos, pas de problème. Ok, donc je vais désinstaller. C'est là, pardon, excusez-moi. Je veux que M. Grizzly parte avec. Avec 3 romanaires. Et puis c'est bon. Article. Prend. Ils n'auront pas trop le temps de bouffer, je crois. Toi, tu vas t'en prendre 2. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Et on ne sait jamais. Prends-toi avec un pieu. Ben non. Oui, non. Où est-ce qu'ils sont mes pieux? Je vais tout prendre à la main. Choisir un trajet. Ok. Accepter. Confirmer. On va faire ça manuellement. Grizzly, tu te prends. Enfin, il est obligé d'aller chercher les animaux d'abord. Les animaux vont nous enquiquiner. Prends-toi ça. Ok. Ensuite, tu prends. Un plat raffiné. J'aurais pas dû mettre des animaux tout de suite, j'aurais dû les mettre après. Parce que vous voyez, comme ça, ils se promènent tout le temps, hein, ces petits cons-là. Ils vous suivent. Hein. Donc, comme j'avais montré dans ma première vidéo, hein, là-dessus, dans les astuces, il faut. Si vous prenez des animaux, la personne va toujours d'abord aller chercher tous les animaux qui vont le suivre. Et puis seulement, il va commencer à charger. Vous voyez, ça y est, c'est fait. Alors, on a récupéré maintenant. Je voudrais avoir avec moi ça. Tu viens me prendre ça. Tu charges l'établi. Et je pense qu'on a... Il me faut aussi des plats simples. Et tu vas prendre charger 3 plats simples, puisqu'on part à 3. Hein. Et 3 plats simples, ça devrait être suffisant. Sauf que j'ai oublié. Voilà, on a tout, je crois. Hein. Voilà, on est parti. Allez, fous le camp. Fous le camp, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu attends? Fous le camp. Ah, ça y est, il est parti. Ouais, alors je voulais ici. Comme on peut le voir ici, il est marqué sur le côté là, intérieur, hein, quand je viens ici. Et donc j'ai créé ici un extérieur. Ici c'est bien intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Comme ça, je vois que j'ai... Ici, vous voyez, j'ai intérieur, donc je voudrais bien mettre un extérieur ici pour bloquer. C'est pour ça que j'ai enlevé la truc. Ça, c'est déjà extérieur, donc il n'y a pas besoin de faire plus.
Celui-ci, c'est déjà de l'extérieur aussi. Et on voit que celui-ci est à ciel ouvert. On va d'ailleurs lui mettre un petit toit. Voilà, normalement, tu dois avoir un toit. Ici. Ah, ici, je ne voulais pas mettre de toit à cause de ça. Hein. Mais donc, là, je peux avoir un toit, ça ne dérange pas. Ok. Voilà. Tout de suite, tu vas foncer ici. Donc, zone. Je vais mettre une zone ici de la base qu'on va mettre ici tout de suite. Et on va envoyer les animaux dans la base. Parfait. Grizzly. Tu viens ici. Fonce. Allez les animaux, on suit, s'il vous plaît. Que je puisse avoir mon établi. Alors, toi. 0,8 heures. Je ne sais pas si on va y arriver. On va pouvoir en faire peut-être un. Comment on va appeler ça? Voilà. Allez, on court. Bête, stop, toi. Matériel. Établi de boucher. Installé. Ah non. Quelle heure est-il, 11 heures? Dépasser une créature en boucle. Pêche-toi, au moins une. En 8 secondes, c'est foutu. On a pu en faire un. Alors. Ici, je veux du... 1 degré, c'est très bien. Voilà. Donc, je suis un petit peu limite quand même au niveau de l'énergie. Bon, limite, c'est un bien grand mot. Hein. Une batterie est nettement suffisante dans tout l'ensemble que j'ai ici. Alors, Ayo.
va vous laisser faire. Allez, attendez-vous. Place assis, c'est bien. On ne range pas. Après, il faudra que tu ailles manger. Alors, il est quelle heure? Il est 9h. 11h, midi. Ah, là-bas, il y en a aussi. Bon, mes dromadaires, ils sont comment? Ils commencent à avoir faim, les petits. Bon, ça va. Ça vit comment? C'est bon. C'est bon. La viande, elle est où, au fait? Je crois que la viande a été mangée. Ou bien, ça a pourri pendant que je faisais le truc. C'est tout à fait possible aussi. C'est tout à fait possible. Comment ils vivent, là? Ils sentent bien les trucs? Ouais, ça va. Gézi, tu te sens bien aussi? Ok, c'est bon. Regardez, ça, il est 14h, il veut même pas venir bouffer. Oui, c'est ma faute aussi. Là, je crois qu'il va arriver comme un petit fou dès qu'il a fini ça. Et on va dire que cette fois-ci, c'est du loisir à 16-17. Voilà. Normalement, il devrait... Ah, galerie est décédée, cause malnutrition. Ça, c'est chiant. Parce que... Ah ouais. Ah, vous ne l'avez pas eu. Tiens, je suis un peu étonné. Là. Où est-ce qu'il y a des galeries? Les corpses. Oh ben. Donc, tout est dissous sauf toi, c'est ça? Dispositif dissolvant post-mortem. Bon. On va plutôt dire que c'est le chauffe qui va faire ça. Priorité. Parce que sinon... Non, ils vont tous paniquer. Ok, bien. Oh, 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 oh. Ok. On est déjà reparti. Ouais, le plastacier, j'en ai besoin. Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qu'on pourrait prendre un peu moins loin? Un peu d'or aussi. Prendre un petit coup d'or quand même. J'en aurais besoin pour faire l'air.
Et après, on va rentrer. Voilà, ça se prend bien, ça. Ça se fait vite. Ça se fait vite, même s'il fait noir, c'est bon. Tu te promènes, hein. Tu médites, tu médites. On va te laisser méditer. Et maintenant, vous allez faire de ce côté-là. Bien. Bon, il faut de la lumière un peu partout, moi, ici. Hein. Une ici. Là, elle est mise. Et une ici. Alors, il refaut de l'électricité. Ok. Laisse-moi finir ça, mon petit, s'il te plaît. Alors, qui est-ce qui est tout prêt? Chauffe. Et ça vient d'un orage. D'accord. Descartes, t'étais où, toi? Non, c'est pas très bien. Bon, ben ça avance. Hein. Je voulais aussi surveiller ici. Câble électrique. Et là, j'ai du câble électrique ou pas? Oui, hein? 8 degrés. Bon, là, on voit qu'on est à 8 degrés. Et maintenant, ceci, bah, il reste 21 jours. Il nous reste 30 jours. Bon, je ne sais pas combien, mais maintenant, on peut tous les autoriser. Comme ça, on a un frigo à viande et on a un frigo à patates, etc. quoi. Alors, pour le moment, ça reste là, mais ça va être déplacé, bien entendu, une fois qu'on aura construit ceci. Hein. Alors, je pense que ce qu'on mettra ici à l'intérieur, enfin, quand on fera le... l'hydroponie intérieure, on mettra plus les... ce qui met beaucoup de temps à l'intérieur. Alors, il faut commencer à faire un petit peu attention de ne pas aller trop loin. Parce qu'on est presque à 81 000. Ouais. Alors, ma recherche, elle avance pas mal. Alors, au fait, ouais,
Assignation. Pas de ses faits. Restriction. Grizzly. Ensuite, les animaux. Abattoir. Oula, je commence à en avoir beaucoup les animaux, moi. Dommage que lui, il est mal. Hein. On va le bouffer, celui-là. Mais pas tout de suite, on va... Je suis occupé de regarder hein, dans les animaux, ici. Si je prends les animaux, je vais modifier un petit peu également. Donc, maintenant, j'ai ajouté l'âge qui est à côté. Comme ça, je peux voir quand est-ce qu'il passe au niveau supérieur. Je sais les rations qu'il aura bouffées depuis qu'il est né. Ça, c'est le lait, bien entendu. Et la quantité de viande qu'il va donner, la quantité de cuir qu'il va donner. Enfin, quantité de viande là et quantité de cuir ici. Alors, on multiplie ça, par, si on les tue, on peut multiplier ça par 50%, par 150%. Et donc, on doit avoir 90 de cuir. Et donc, je suis occupé de regarder combien me coûte en ration le cuir que je vais recevoir. Et la quantité de viande. Bon, 37 viandes, c'est, vous faites, c'est pas des rations. Hein. Une viande, c'est, il faut 0,6. Et donc, il faut 11, 12 viandes pour faire une ration. Donc là, au niveau de l'élevage pour de la bouffe, faut pas rêver, ça marche pas. Quoi. C'est pas rentable. Bon, Grizzly, t'es revenu, je suppose. Hein. Ouais. On va vider ça. Hein. Matériel. Ouais, voilà. On n'a pas besoin de se préoccuper plus loin que ça. Est-ce que ça tourne au niveau des plats simples? 4 plats raffinés, j'en ai 5. 4 plats 5, je n'en ai pas. Grizzly a pris, mais je suppose qu'Alo va y aller après, quand il aura récupéré tout ça. Pour le moment, c'est Grizzly qui s'en occupe. J'en fais 20, j'en fais à l'avance, pour quand je dois partir, par exemple. Okay, c'est Maker qui s'occupe de faire ça, c'est parfait pour moi aussi. Alors, on monte 45. Ça, c'est pratique hein, parce que ça fait quand même bien monter la construction de tout le monde. Par contre, Libellule, j'aurais préféré que tu fasses aussi autre chose, mais chacun fait. Comme il le trouve. Donc, Libellule, tu vas encore tailler de l'ardoise. Tu vas. Ouais. Bon, on peut faire ça, j'en avais toujours besoin. Non, tu vas me faire un petit peu de. Architecte. Tu vas me faire un petit peu de. Sécurité. Des pièges à pointe en ardoise. Je voudrais en faire quelques-uns. Tu vas faire ça ici. Pourquoi je vais en avoir besoin? Parce que je voudrais bien commencer à protéger donc à créer des petits murs aux endroits qui risquent de se faire attaquer. En particulier ici. Enfin, certainement ici au départ. Et puis on viendra un petit peu ici et voilà. Donc je ferai des murs. Et
des espaces avec des pièges, murs, espaces avec pièges. Comme ça, s'il y a un mec qui vient pour poum 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 pour fou. Ouais, Grizzly, c'est bien, je suis content pour toi. Alors, on en est où ici? Intérieur 5 degrés, c'est parfait. Hein. Oui, ça monte. Hein. Suivant la température, voyez, ça peut monter à un an encore, là, vous voyez. Si vous êtes à peu près à 1 degré, votre riz tient 5 ans. Donc, il n'y a pas besoin de forcer vraiment la température non plus. Et donc, ce qui me permet avec un seul climatiseur, vous voyez, un an. Donc là, on est vraiment tranquille, quoi. Bon, là, c'est infini, hein, puisque... Mais bon, là, il faut tenir, et donc, on ne tient pas toujours non plus. Par contre, il n'y aura pas assez de place, hein, ça, c'est sûr. Parce que maintenant, on est 2, 4, 6, 8. Je crois qu'on était à 7 quand on a commencé, non? Je ne sais plus. Enfin, on a fait quand même l'été à 11. On était 11, quand même. Hop, 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 hop. Dekir, tu vas où? Dekir, tu mines du minerai d'argent. Ah. Tu n'as un rendement minier que de ça. Non, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Tu vas... Bon. Il y en a beaucoup, hein, de l'argent, là, dis donc. Mais je préférerais qu'on me mine... Je préférerais qu'on me mine du fer. J'ai plus besoin de fer, mon ami. Et du fer, nous en avons par ici. Beaucoup. Alors, d'équerre. Pas que tu fasses ça. Donc, d'équerre, tu reviens ici et on va autoriser seulement Grizzly pour faire l'extérieur. Comme ça, d'équerre, tu reviens. Voilà. Tu vas travailler à l'intérieur, mec. Fais des pierres à pointe. Je vais te mettre en travail, hein, Grizzly. Tu vas plutôt passer en minage 2. Voilà, notre multi-analyseur est fait. Ok. Assemblage de composants. Et une fois un multi-analyseur, bien sûr. Alors, j'ai besoin de... Fusil de précision. Un multi-analyseur qui va être positionné. Combien ça bouffe ça? 40, 50, 20, 8 composants. T'as vu? C'était beaucoup, hein? Très bien ici. Voilà. Je crois que je vais approfondir l'hôpital, enfin comme ça, mais bon, pour le moment, on est bien là. Libellule. Tu fais ça. Alors, je voudrais que dans le travail, mon ami Grizzly avance plus vite en minage. Enfin, fermier d'abord et puis mineur. Et donc, logiquement, il devrait
stopper ça et aller faire du minage. Parfait. Ok. J'ai combien là? 58. Ouais. C'est presque l'hiver cette histoire. Donc là, je suis à 25 maintenant. Mais c'est bien ça. Et ici, je suis à 21. 4, 5. 22. C'est bien. Je pense qu'on est capsule de cargo. Ouais. C'est quoi? C'est de la pénoxycilline. Il y en a 24. C'est pas des tonnes, hein, ça. Ouais, c'est pas terrible. Ça, c'est des murs en métal aussi, encore. Hein. Métal, c'est toujours bon à prendre aussi. Donc, on va ordre